Yo mon ami, en une crise de grosse maison vu qu'il est docteur, pis que son épouse est comptable. Moi mon épouse pourra jamais m'aider à avoir une maison car c'est une poupée gonflable. Au moins elle la chiale pas quand j'en fous d'autres chefs. Mes poupées à chaque coup qu'elles sont sales, je laisse les rideaux ouverts quand que je fous avec. Quand je me fous qu'on me regarde, quand que je fous avec mes poupées gonflables. La seule chose qui est poche avec mes poupées, c'est qu'il me faut pour un souper. Ça fait 3 jours d'affilée que je couche avec la même poupée. Elle est jolie pis blonde, elle porte une mini jupe grise pis jaune. Ben blonde est faite en silicone, mais au moins elle chante pas quand que je la fesse. Je caresse les femmes faites en latex, au moins elle crie pas quand que je les agresse. Mon ami a une crise de grosse maison, oui c'est vrai je l'ai dit, je tombe un colon. Je suis un peu comme Elvis Graton. J'étrangle mes poupées quand que j'ai le goût de les fourrer. Mes poupées ont un corps de femme, elles ont des boules mais elles n'ont pas d'organes. J'en ai toutes les sortes, j'en ai même une rousse, ça s'appelle Morgane. Elle a des belles lèvres pulpeuses, elle a des belles lèvres de suceuse. Je dois lubrifier son vagin pour que sa plotte soit juteuse. Je suis tendu nu sur le divan avec des poupées remplies de lubrifiant. Vu que je suis déviant, chez nous je n'ai plus que 6 amis. Poupées m'excitent crissement. Elles sont belles, elles me font bander, mais au moins elle appelle pas les cochons quand je me mets les étrangler. J'suis tout essoufflé vu que j'ai fourré avec mes poupées pendant toute la journée. La seule chose qui me fait chier avec mes poupées, eh ben c'est qu'ils me font pas un souper. J'adore fourrer avec mes poupées, au moins elle crie pas quand je commence à les toucher. J'pourrais penser toute la journée coucher à côté de mes poupées, tellement j'y trouve belle, au moins avec elle. J'suis pas obligé de faire des préliminaires. J'déverse mon sperme depuis hier dans les poupées remplies d'or. Mes poupées sont pleines de CO2. Mes poupées ont des beaux yeux, elles ont des grosses boules, elles ont des beaux cheveux. Mes poupées trippent toutes sur ma grosse gueule. Je les place chez nous comme si c'était des statuettes. Mes poupées font pas de bruit, elles sont muettes. Elles sont tout le temps prêtes pour une petite pipe. Monique, viens ici, j'ai goût d'une petite pipe. Je peux faire ce que je veux avec mes poupées quand que je les baisse. L'autre jour, je l'ai attaché une sur une chaise. J'ai planté des punaises d'un sein pendant qu'elle est assise sur le siège. J'arrive de faire l'amour avec 30 poupées en même temps. Au moins, vu que c'est des poupées, je peux les poignarder sans risquer de pogner 25 à faire mon peine. Mes poupées sont toutes des grosses chiennes, elles sont au peine. Ce sont toutes des grosses salopiennes, ma grosse graine. À force des fourrées, ben je suis rendu avec des grosses cernes. Vu que j'ai pas dormi de la nuit, et quand que je baisse, je trouve ça fantastique. Je pense que des femmes qui sont faites en plastique.